Très honorable président du Sénat vient de prendre l'avion à destination de Doha au Qatar pour prendre part aux assises de la 7e conférence mondiale sur la lutte contre la corruption. C'est une conférence qui réunit donc les parlements du monde afin d'analyser les voies et moyens pouvant mettre en terme la corruption à travers le monde. Donc, c'est-à-dire que chaque représentant doit présenter l'état d'avancement de son pays dans la lutte contre la corruption. Et vous savez qu'au Burundi, il y a des instruments juridiques, il y a un cadre légal, il y a la cour anticorruption, il y a la police qui est dotée de moyens pour faire en sorte que les corrupteurs, les corrompus puissent être arrêtés et traduits devant les juridictions compétentes. Il y a des textes et lois qui afférents à la lutte contre la corruption. Et il aura l'occasion de pouvoir représenter bien évidemment cet état des lieux au niveau de notre pays. Et après, il y aura aussi adoption des stratégies nouvelles qui pourront permettre à ce que la lutte contre la corruption soit une pure réalité.